Salut à tous, c'est les Stade 25 et bienvenue dans Concrete Genie, à savoir le mode VR de Concrete Genie. Donc j'ai terminé le jeu, j'ai platiné le jeu tout à l'heure et c'est avec plaisir que j'ai essayé de tester le mode VR du jeu. À savoir qu'il y a deux modes, un mode libre pour peinture libre, pour peindre ce que l'on veut, et un mode, une petite introduction hein, pour attirer justement, déverrouiller le mode peinture libre. À savoir que le mode peinture libre, il n'est pas déverrouillé dès le début. Il faut d'abord jouer au mode d'aventure. Donc voilà, on y va, let's go. Il n'y a rien de très compliqué, on se relance dans l'aventure plutôt. A savoir que le jeu se joue obligatoirement au PS Move, donc vous êtes obligé d'avoir les PS Move pour pouvoir utiliser ce mode VR sous le grand phare de Denska. On appuie sur la gâchette de droite, voyez un peu, pour faire avancer les images. Une énergie magique s'est éveillée. Plotch et la toile de cristal. Ça va, ouais, ils ont de même donné un petit titre pour ce petit mode VR. Bien sympa. Oh, regardez la table. Ça me fait penser au jeu MOSS. Avec la petite table et le petit livre à côté. Salut, Foch, Splotch. Ah non, non, c'est pas là que je voulais. Je vais changer de main. Je vais se tromper. On va changer, c'est pas grave. Ok. Hop. On récupère notre bouquin, notre journal, hein, qui nous a suivi pendant tout le long de l'aventure. Et on a les motifs. Hein, c'est exactement pareil hein, que dans le jeu de base. Hop, on va sélectionner. Et avec la gâchette, on va hop, faire monter nos petits arbres pour illuminer les ampoules. Hein. C'est exactement pareil hein, que dans le mode basique du jeu, c'est-à-dire qu'il faut allumer toutes les lumières pour passer à l'étape suivante, tout simplement. A savoir aussi ouais, que le jeu se déroule en 180 degrés et il n'y a rien derrière, enfin il n'y a rien. Il y a un petit déco, il va y avoir une petite déco. Mais tout le jeu se passe voilà, dans un angle de 180 degrés où on va pouvoir décorer. Voilà, c'est plutôt pas mal parce qu'au moins on peut rester assis confortablement pour voilà, créer comme on veut, tout simplement. Allez, on allume toutes les ampoules. Hop. Et en plus ça, le gameplay au PS Move est vraiment très intuitif, c'est vraiment très simple. Franchement, c'est vraiment très top. Oh. Je crois que j'ai pas payé l'électricité, désolé. J'ai pas payé ma facture. Tout a pété. Vous voyez un peu là, on est au phare, hein. On est dans les sous-sols du phare. Donc leur voilà nos Spooch. Alors ça fait bizarre hein, de le voir comme ça, parce que dans le jeu de base, il est toujours dans notre sac à dos, il bouge pas trop. Hop, et là il nous redonne un autre motif. Ah oui, oui, attends, ça va pas, attendez. Hop. Alors du coup, moi ça va pas, attends. Ah zut, je peux. On va faire dans l'option plutôt. Vous voyez dans l'option, il y a une partie qui est plutôt sympa. C'est que je vais me remettre en droit. Là, je suis en mode gaucher en fait. Alors changer de main. Voilà, je préfère comme ça en fait. Parce que tout à l'heure, j'ai mal pris la baguette et j'ai mis en main gauche. Et quand on, selon vous êtes droitier ou gaucher, vous pouvez changer de main. Donc ils ont vraiment pensé à ça. Et donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on va faire monter les... Voilà. Hop, les petits motifs pour allumer nos petites ampoules. On va utiliser
Ah non, je l'ai pas validé, voilà. Alors là, on a le soleil. Alors quand on tire vers nous, on peut le grossir. Et quand on pousse, on le rétrécit, voyez, un peu. On va mettre un gros soleil. Et là, c'est toutes les herbes. Là, il y a quoi qui... Ah oui, là, là, c'est pas lui. Hop. On va remettre un soleil là. Et il reste là. Voilà. Nickel. C'est vraiment très beau. Hein. Savoir que je joue sur PS4 normal et c'est déjà vraiment vraiment bien. Ok, alors voyons voir, on va mettre ça. Yo BG, le pseudo de merde, comment tu vas? Bienvenue sur le petit live. Hop, on va mettre un peu partout là. Hop, un petit feu. Ah, il reste encore une ampoule là-haut. Eh, c'est bon, nickel. Bon, ça va, tranquille. Tranquille, je teste ce petit mode VR de Concrete Genie. Un jeu qui est vraiment génial. Je l'ai platiné tout à l'heure et... Eh oui, c'est du VR. Je suis actuellement en VR. Je teste les deux modes VR du jeu Concrete Genie qui est disponible. Et vu que j'ai terminé, j'ai platiné le jeu tout à l'heure, donc du coup j'ai voulu tester justement le mode VR, voir ce que ça donnait. Alors je sais pas si j'ai duré longtemps, hein, la vidéo va durer longtemps parce que j'ai des problèmes de connexion. Donc peut-être que vous allez plus voir rien voir tout à l'heure. Donc ce serait dommage. Parce que j'ai des problèmes de connexion en ce moment, donc... Mais j'espère que j'aurai assez pour vous montrer assez longtemps ce mode VR. C'est vraiment beau. Hein. Wouhou! C'est rose. Et voilà en fait notre décor du jeu qu'on va améliorer au fur et à mesure de l'aventure. C'est vraiment très beau. Hein. C'est waouh. Je joue à Fortnite. Ah. C'est revenu Fortnite. J'ai vu ça. Moi perso j'étais content, il avait disparu, je dis ouais cool. Le diable m'est rentré dedans. Oh bah alors, t'as pas de bol Léon. Allez, coucou Spooch. Coucou. Alors il veut qu'on mette de l'air les amis. Alors ça c'est plutôt sympa, ouais, un peu. Ça change un peu de l'écran télé, ouais. Où là il y a vraiment voilà, du relief, c'est vraiment trop bien quoi. C'est vraiment de la 3D, c'est génial. L'immersion est totale. On dirait un gamin. Ben moi je suis un gamin, j'incarne un gamin par contre. Hop là. Alors, il veut ça lui. Hop, on va te donner ça. Attends, je sais pas valider par contre. Hop, on va les faire pousser un peu. Deux petites fleurs rouges. On va en mettre un peu devant, comme ça on va pouvoir les voir. Nous aussi, on va en participer. Hop. On va utiliser ça aussi. C'est quoi ça? Tac. Ah, il est content. Je sais pas que c'est bien. Hop. Ok, t'es content? Ah non, il en veut encore. Il veut quoi encore? Alors, à savoir que là, c'est mon plan, en fait, que je dois respecter. Et lui, des fois, il me donne des ordres... Voilà, il veut de l'air, donc je suis obligé de lui obéir pour passer à l'étape suivante, en fait, tout simplement. Hop, vous voyez un peu, la carte, elle s'est remplie. Et du coup, on passe à l'étape suivante. Hop. Là, à chaque fois qu'il est content, on a fait notre première étape avec des motifs nouveaux. Je crois qu'on va plus rien voir à l'écran, il me semble. Ah, zut, ça coupe. Ah, zut.
zut. Attendez, j'ai relancé, en vitesse. Voir si ça peut. C'est dommage, hein, parce que j'ai un problème de connexion et du coup. Ça coupe. Je reviens tout de suite, je suis désolé. Ah, c'est revenu. Bon, je sais pas si je vais durer longtemps, mais je pense que ça va recouper encore. Mais si ça recoupe encore, bah, c'est tout en pis, je vais arrêter, parce que ça bouffe trop sur ma connexion, non. Donc du coup, là, on en était où il veut que, voilà, que je remplisse. Hop. Il veut que je remplisse. La carte, vous voyez, un peu au fur et à mesure que je remplisse ce qu'il veut. Ah ben, la carte, elle monte, en fait. Le plan, du moins, se remplit. Hop. Et après, on va passer... À l'étape suivante, il va me redonner d'autres motifs différents pour pouvoir combler un peu mon petit journal que j'ai dans ma main. Par contre, on va alimenter un peu les cristaux en fait en faisant ça, tout simplement. Et là, il me redonne un autre motif. Vas-y, donne. Yes! Hop! Et du coup, il faut 3 comme ça. Enfin, 3, ouais, si on veut, on peut en mettre plein si on veut. Et là, il me redonne des motifs différents. Hop, là, il veut des pommes, un feu. On va lui donner des pommes, tiens, bah, comme ça, il va bien. Tout près d'aller chercher ses pommes. Et on peut le voir en visu. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça fait bizarre parce que d'habitude, il est toujours dans le mode aventure. Dans le jeu de base, il est dans notre poche, hein, dans notre sac. Et là, de le voir comme ça, c'est génial. Ah mais attends, hop, il veut un feu lui. Hop, on va t'allumer un feu. J'espère que t'es content avec ça, man. Ça va qu'on fait ? Vas-y, fais-toi péter le bide avec. Ouais, il est content. Alors après, il veut des trucs comme ça. Ok, on y va. Bon les amis, je suis désolé, hein, la vidéo ne veut pas se faire, donc je suis désolé, hein, vous avez un petit aperçu en vitesse finalement du mode VR, mais voilà, après c'est ce que je fais là, c'est répétitif, hein. Je suis désolé hein, pour la qualité de... Voilà, j'arrive pas du tout, depuis tout à l'heure j'essaie de me battre pour vous le diffuser, mais je n'y arrive pas, mais bon c'est tout, tant pis. En tout cas, sachez qu'il est vraiment trop bien en VR. Bon sur ce, hein, j'espère que ça vous aura plu quand même, et puis moi je vous dis à très vite, salut. Ok, donc toi tu veux hop de l'herbe. Allez, vas-y, prends de l'herbe. Il va me redonner quoi? Oh yes! Il mange en plus, hein. Hop, on va faire monter les armes un peu partout. C'est vraiment top, hein. Et là, il va me redonner un autre motif. Allez, vas-y, donne. Hop, il veut des pommes. Hop. Et là, on va récupérer des autres motifs. Nickel. Vas-y, donne-moi le motif. Là, on récupère une lune. Alors là, c'est plutôt pas mal. Allez, il veut la lune. Surtout que quand on tire, vous voyez, vers nous, ça fait la grosse lune. Et quand on fait, on peut faire des croissants. C'est génial. On va les laisser comme ça.
Là, il reveut un feu, parce qu'il se l'écaille, hein, le pauvre. Hop. Là, on peut mettre des guirlandes, tout simplement. C'est nickel. Voilà. Hop. Et là, il manque encore des trucs. Si on va remettre des arbres là. Tac. Et là, il veut quoi? Il veut ça. Et voilà, nickel. Oh! Et là, on va devoir recréer, vous voyez un peu, le petit plan sur la gauche, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure. Sauf que là, vous voyez un peu, les couleurs changent. Et c'est un peu plus stylé. Là, on va en mettre un peu l'autre, hein, du coup. Même à côté, là. Hop! On va mettre des guirlandes aussi, hein, pourquoi pas. Hop! On va avoir le deuxième cristal qui va se remplir. C'est vraiment super. C'est vraiment un super mode qui est vraiment bien fait. Même si ça dure pas très longtemps. Mais on s'amuse plutôt pas mal. Hop. On met des étoiles partout. Hop, autre motif. Encore des étoiles. Allez, sur lui, je crois. Et là, en le mettant des étoiles, ça le fait... ça le fait voler. C'est bizarre, hein. Là, il va me redonner... Voilà. Un autre motif. Et là, le motif, ça va être... Ah oui. Au-dessus de sa tête. Voilà. Ils sont sur les fleurs. Okay. Et là, il va me détailler où il veut. Ah oui. Alors ça, par contre, en vert, c'est vraiment très beau. Aurore boréale. Là, ça donne. Franchement, c'est vraiment très beau. Il veut aussi qu'on remette le soleil. Bon, c'est pareil. Hein, on peut mettre petit ou grand selon on la pousse ou on le tire vers nous. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui. Un arc-en-ciel. Hop, deux disponibles. Ah, il veut quoi? Attends. Tac-tac. C'est ça. Hop, et il veut ça. Voilà. Alors, il veut quoi? Des étoiles sur lui encore. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Et il veut une pomme. Pom pom pom, c'est là. Et voilà. Hyper content. Maintenant, il va me filer du levant. C'est ça, je crois. Ah non, ça c'est un nouveau mode. Enfin, c'est un nouveau motif. C'est pas un mode, c'est un nouveau motif qu'ils ont rajouté et qui est plutôt sympa. Regardez-moi ça. C'est des feux d'artifice. C'est génial. C'est super, c'est vraiment trop fun. Alors la nuit, c'est vraiment génial. Hop, et là on a le souffle. Là c'est le vent. Après, il va nous redonner quoi déjà? Tac. Ah oui, un petit feu. Alors du coup, on va effacer ça. Hop. Alors là, c'est la partie pour effacer. On va lui remettre un feu. Et avec le vent, hop, on va l'embraser. Hop.
On va voir qui va prendre un peu plus. Et voilà, du coup on récupère un autre motif. Et ce motif, c'est quoi? Je sais plus. Ah non, faut redécorer, je sais pas. Là on a des veaux, voilà. Avec ça on va pouvoir faire un peu de musique avec ça. Enfin ça fait du bruit, hein, ça n'est pas non plus... Voilà, et avec le vent qui veut... Avec des papillons. Et il veut qu'on fasse... Voilà. Alors, tu veux autre chose? Et là, il veut, hop, la petite lune. Comme ça, c'est la nuit tranquille. Et là, on va refaire le tableau. Ça va être génial, vous allez voir un peu. On va mettre plein de... Voilà. Regardez un peu. C'est génial. Wouhou. On met des étoiles un peu partout. Un aurore boréale. C'est vraiment sensationnel, hein, honnêtement, c'est waouh. Et voilà. Et voilà les amis. Et évidemment, c'est là-dessus que s'achève ce petit mode VR de Concrete Genie. Vous allez voir un peu ce qui va se passer. Et c'est pour ça en fait que grâce à ça, on aura le mode libre qui va se débloquer. C'est le Graal. Donc voilà les amis, c'était donc Concrete Genie en PSVR, le petit mode aventure, hein, qui est présenté. Et là, grâce à ça, un peu la clé va débloquer le mode peinture libre. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. Et puis à vous abonner à ma chaîne, hein, si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis... A très vite, parce que ça, enfin, gros, c'est, enfin là, c'est, je vous explique pas trop, mais c'est que c'est un mode peinture libre où on pourra, en fait, c'est comme une étoile, en fait, hein, mais en 180 degrés, comme ici, vous allez pouvoir dessiner ce que vous voulez grâce aux environnements du jeu, hein, et celui-là, c'est le mode qu'on vient juste de faire, en fait, hein, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, hein, comme je vous ai dit à l'instant. Partagez ma vidéo, hein, si ça vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très vite en tout cas pour de prochaines aventures sur ma chaîne. Salut les amis, ciao!